Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Acclame le Dieu de ton salut. Celui qui intervient dans tes défis. Celui qui prend soin de nos familles. L'auteur de nos espoirs. La source de nos grâces. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci. Après ce séminaire que nous avons eu sur la Pentecôte et l'équipement, cette pensée, ce message a pour titre le témoignage d'une vie transformée. Le témoignage d'une vie transformée. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire du verset 37 au verset 47. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alléluia. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, on acclame. Vous savez, quand on acclame quelqu'un avant même le combat, c'est qu'on est sûr qu'il va gagner. Nous acclamons la parole de Dieu parce que nous savons que Dieu parle bien. Et quand Dieu parle, ça change les choses dans nos vies. Alléluia! Nous acclamons la parole qui n'a jamais échoué. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La parole de Dieu ne souffre jamais. La parole de Dieu te donne la victoire. Alléluia, la parole de Dieu te guérit. Ceux qui acclament la parole, c'est ceux qui croient que la volonté de Dieu est dans la parole de Dieu.
Et la volonté de Dieu est que tu prospères. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu rayonnes. La volonté de Dieu est que tu sois grand dans ta génération. Tu peux acclamer cette parole. Les hommes peuvent parler et ne rien faire. Mais quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole ne peut pas descendre et repartir à lui sans avoir accompli, réalisé ses desseins. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? La parole de Dieu contient les promesses de Dieu. La parole de Dieu nous montre la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qui est Dieu pour nous. Et nous renseigne sur ce qui nous attend, ce qui nous a préparé. Dis: Seigneur, j'aime ta parole. Parle-moi. Amen. Viens vous asseoir. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous sortons, comme je le disais, d'un séminaire qui a été un peu extraordinaire parce que ça a été annoncé au dernier moment. Vous savez, les choses qu'on fait un peu comme ça, de façon qui sortent du programme ordinaire, c'est que Dieu veut aussi faire des choses extraordinaires. Dieu veut précipiter quelque chose qui a traîné et tout. Il veut débloquer une situation. Quelqu'un dit amen. Nous avons parlé longuement de la Pentecôte, c'est-à-dire de... du Saint-Esprit. Vous savez que la Pentecôte, voilà, c'est, quand on parle de Pentecôte aujourd'hui, c'est synonyme du Saint-Esprit. Amen. Et en parlant de la Pentecôte, nous avons vu pendant ce séminaire pourquoi est-ce que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Nous avons, entre autres choses, retenu que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour nous transformer. Amen. Pour nous transformer, parce que Dieu est esprit. Et Dieu ne traite pas avec la chair, Dieu traite avec l'esprit. Si tu n'es pas un homme spirituel, mais tu ne peux pas vivre les choses de Dieu, parce que Dieu est esprit. Quelqu'un dit amen. Voilà. Nous avons vu pendant le séminaire que l'homme est soit animal ou naturel, soit charnel, ou soit comment, spirituel. Mais c'est l'homme spirituel qui est finalement la stature que Dieu recherche. Dieu coopère avec l'homme spirituel. Un homme sans Dieu est un homme animal. Un homme avec Dieu, mais qui est encore un enfant, c'est un homme charnel. Et c'est un homme spirituel qui reçoit les bénédictions de Dieu. Amen. Parce que les bénédictions sont d'abord comment? Spirituelles. Et c'est ceux qui sont nés de l'esprit qui sont des fils de Dieu. Et naître de l'esprit, c'est au moyen de la conversion. On est né de Dieu, né de l'esprit ou né de nouveau. C'est la même chose. Amen, amen, amen. Nous avons vu, surtout hier, que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Il y a des défis, il y a des choses, bien aimé, qui demandent l'intervention de Dieu, qui requièrent l'intervention de Dieu. C'est comme cela qu'il a dit par Zacharie que ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a des défis que nous ne pouvons pas relever par nous-mêmes, ni par nos moyens, ni par nos ressources financières, ni par nos relations, ni par notre carnet d'adresse, ni par nos diplômes, ni par la qualité de notre compte, la consistance de notre compte en banque. Il y a des défis où ton argent ne suffira pas. Il y a des réalités où tes relations ne suffiront pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien plus encore, la plupart de nos combats sont des sens spirituels. Non pas à combattre contre la chair et le sang. Ce que nous voyons, ce sont les manifestations. Mais en réalité, le combat, il est d'abord spirituel. Mais si le combat est spirituel, bien aimé, les armes doivent être spirituelles. La réponse doit être spirituelle. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. D'où l'intérêt que l'homme qui est né, comme tout le monde, soit transformé pour répondre à ces défis. Ces défis spirituels. Quelqu'un entend cela? Concrètement, dans la synthèse qu'on a faite hier, cette transformation commence donc à la conversion. Quand nous nous convertissons, nous recevons le Saint-Esprit qui fait quoi? Premièrement, qui nous confère une identité nouvelle, une identité d'enfant de Dieu. Nous devenons fils de Dieu parce que nous sommes nés de l'Esprit.
Amen. Nous gagnons la nature divine. En fait, nous récupérons la nature divine que nous avions perdue du fait du péché d'Adam et Ève. Donc, par le Saint-Esprit, nous récupérons notre nature divine. Nous récupérons l'identité divine. Nous devenons fils de Dieu. Quelqu'un a entendu? Et cela, comme je l'ai dit, c'est à la conversion. Le Saint-Esprit témoignant lui-même à notre esprit que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit qui parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, c'est au niveau des esprits. C'est le Saint-Esprit qui parle, pas à la chair. La chair n'entend pas la voix de l'esprit. Il parle à notre esprit que nous sommes comment? Enfants de Dieu. Et c'est quand nous avons ce témoignage intérieur qui vient du Saint-Esprit qui est en nous, bien-aimés, que le Saint-Esprit va nous faire passer à une deuxième étape, une deuxième phase. Donc, première étape, n'oubliez pas, nous avons l'identité d'enfant de Dieu. Amen. Et deuxième phase, le Saint-Esprit vient faire quoi? Former le caractère de Christ en nous. Tu peux être né de nouveau, mais si le caractère de Christ n'est pas en toi, tu resteras un enfant, tu resteras charnel. Quelqu'un entend cela? Quand le caractère de Christ est formé en nous, c'est alors que nous pouvons marcher selon l'Esprit. C'est alors que nous faisons quoi? Nous portons les fruits de l'Esprit. C'est par là que ceux qui nous connaissent ont le témoignage que nous ne sommes plus la même personne. Nous commençons à développer le caractère de Christ. Nous parlons comme Christ, nous réagissons comme Christ. Oh. Amen, amen, amen. Vous allez voir, il y a plein d'histoires dans les églises. Pourquoi? Les gens sont certainement nés de nouveau, mais ils ne développent pas encore le caractère de Christ. Ils sont restés basiques. La seule chose qu'ils savent faire, c'est soit chanter, parler en langue, comme ça, c'est bon. Hein? Mais le caractère de Christ, les fruits, on ne les voit pas. Tu t'es converti, c'est vrai, mais les gens attendent les fruits. Les gens attendent la marche d'un chrétien. Un chrétien, c'est comme Christ. Vous êtes là? C'est là que nous avons, donc, je disais, le témoignage d'enfant de Dieu. Oh mon Dieu. Amen, amen. Les sentiments qui étaient en Christ, on les reconnaît en nous. C'est là que nous atteignons maintenant, bien-aimés, comment dire, la stature d'homme fait. C'est-à-dire, Christ est formé en nous. Notre caractère est changé par cela. Et quand ton caractère change, bien-aimé, cela va s'extérioriser. Les gens vont le constater. Ta façon de parler va forcément changer. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le bagarreur d'hier, c'est l'homme doux d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui avait le coup de poing facile, c'est maintenant celui qui fait quoi? Qui calme les autres. Parce que tu as été changé, transformé de l'intérieur. Prions, bien-aimés, pour que le caractère de Christ soit formé en nous. Le caractère de Christ, c'est au-delà des dons. C'est au-delà du ministère. Ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas un problème d'onction. C'est un problème de caractère. C'est un problème de transformation intérieure. Ceux qui n'ont pas subi cette transformation, ceux qui n'ont pas gagné, ceux qui n'ont pas acquis encore ce caractère de Christ, bien-aimés, même s'ils sont loin, même s'ils ont des ministères, ils vont être capables de faire des scandales. Parce que le caractère de Christ n'est pas encore formé en eux. Oh, que le Saint-Esprit imprime le caractère de Christ en chacun de nous. C'est là que nous serons une église qui offre un témoignage. En fait, le caractère de Christ en nous produit quoi? Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit qui sont le témoignage d'une vie comment? Transformée. Parce que ceux qui nous connaissent, quand ils regardent, ils disent, waouh, depuis quand il parle comme ça? Depuis quand il fait ça? Depuis quand il est comme ça? On découvre une nouvelle personne.
et tout le monde a envie de te côtoyer, tout le monde a envie de parler avec toi, parce que quand tu parles, tu dispenses la sagesse, tu partages Dieu, alléluia. Tout le monde a besoin de cueillir ce fruit là. Ça c'est le deuxième point, la deuxième action puissante du Saint-Esprit dans le croyant. Vous êtes là? Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Une fois bien aimé, donc qu'on a cette identité nouvelle, identité de l'enfant de Dieu, le caractère de Christ est formé en nous. Ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit va nous faire passer à une troisième phase. La troisième phase c'est quoi? C'est que le monde attend. Le monde attend avec un ardent désir. Le monde attend autre chose. Le monde est fatigué de la souillure, le monde est fatigué des insanités, le monde est fatigué des choses bizarres qu'on vit aujourd'hui, le monde est fatigué de toutes les injustices, de tout ça, le monde est fatigué d'être dans les ténèbres. Le monde attend avec un ardent désir la lumière qui a été promise. Le monde attend une autre façon de parler, une autre façon de voir les choses. Alléluia. Le monde attend, le monde insipide attend ce sel-là qui vient donner un autre goût. Alléluia. Le monde attend. Le monde attend, au milieu de cette génération perverse, qu'il y ait quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau. Le monde attend de voir l'amour, bien aimé, dans ce fleuve de haine. Là où il y a la haine, les injustices, là où il y a le trouble, la confusion, le monde attend la paix. Mais qui va apporter la paix? C'est celui qui a reçu la paix. Qui va apporter la joie? C'est celui qui a reçu la joie. Qui va apporter la lumière? C'est celui qui a été fait lui-même lumière. Qui va être le sel? C'est celui que le Seigneur a rendu sel. Le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, ceux qui sont nés de l'Esprit, alléluia. Voilà pourquoi la troisième phase, c'est quoi maintenant? Le Saint-Esprit vient nous équiper. Il vient faire quoi nous? Équiper. Pourquoi? Pour nous déployer. Vous voyez que les deux premières phases sont des phases de transformation. Donc ça agit en nous. Mais la dernière phase, c'est une phase de déploiement. Donc le Seigneur nous équipe pour nous permettre de nous déployer. C'est comme cela qu'il a dit à Joël, en ces temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Je répandrai mon esprit sur les servantes et les serviteurs. Sur toute chair, je répandrai mon esprit. Alléluia. Parce que Dieu est pressé de répandre, de se faire connaître, de présenter autre chose. Il faut que l'humanité soit au courant qu'il y a autre chose. Que l'humanité découvre autre chose. Alléluia. Il répand cela sur l'église. Et ceux qui ont reçu cela, bien-aimés, ils deviennent comment? Les distributeurs. Ils vont distribuer l'amour qu'ils ont reçu. Ils vont distribuer la paix qu'ils ont reçue. Ils vont distribuer la joie qu'ils ont reçue. Ils vont distribuer Christ, alléluia. En fait, ils ont reçu Christ. La vie de Christ est en eux. Maintenant, ils font quoi? Ils vont distribuer Christ dans leur génération, distribuer Christ dans leur famille, distribuer Christ partout dans le monde, alléluia. Je n'ai pas eu ton amen. Le monde attend. Et c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas être la fontaine qui va alimenter chaque territoire sec. Quand tu arrives, on dit voilà. Lui, quand il parle, il y a la sagesse de Dieu. Là où il y avait le trouble, quand tu atterris, tu donnes la paix. Là où il y avait le feu, quand tu arrives, tu éteins le feu. Alléluia. Oh. Donc, il nous équipe pour que nous rentrions dans nos familles, dans notre génération, apporter la solution. Les hommes équipés ainsi sont des porteurs de vie et des porteurs de solutions. Le monde attend la solution. Le monde attend, bien aimé, la vie. Et c'est toi que Dieu a équipé. Vous allez voir que la Pentecôte suscite ou provoque le témoignage. Le Saint-Esprit est l'esprit de témoignage. Amen, amen, amen. Et dès qu'ils ont reçu ça, ils vont témoigner tout de suite. C'est là que le Seigneur nous attend. Et c'est ce qui est arrivé avec les premiers chrétiens. Ce qui est arrivé avec les premiers disciples. Le Seigneur leur a dit, ne quittez pas Jérusalem.
ils ont reçu la Pentecôte. Et tous ceux qui les connaissaient ont été témoins de la transformation de leur vie. Comment est-ce que leur vie a changé? Comment est-ce qu'il y a eu un changement spectaculaire? C'est un peu comme nous avons lu hier. Le Seigneur dit par Samuel à Saoul, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras comme eux et tu seras changé en un autre homme. Ils étaient étonnés de voir ces hommes et ces femmes qu'ils connaissaient pourtant, mais changés dans leur façon d'opérer, dans leur façon de parler. C'était d'autres personnes. Alléluia. C'est ainsi que aujourd'hui, nous allons voir le témoignage d'une vie transformée à l'image, à l'exemple des premiers chrétiens, de l'église primitive. Amen. Ceux qui n'étaient pas là, il faut bien me bénir parce que là, je vous ai synthétisé le séminaire que nous avons fait pendant 3 jours. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'est ainsi que nous en arrivons à ce texte. Ce texte qui décrit les premiers événements, la première vie, les premières manifestations de ce qui s'est passé donc avec les disciples après avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous l'avons lu dimanche passé, l'histoire de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, ils ont reçu le Saint-Esprit chacun. Les 120 avaient chacun reçu une langue de feu sur sa tête. Les gens sont au courant que tu viens à l'église. Les gens sont au courant que tu parles en langue. Les gens sont au courant que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais les gens attendent maintenant le témoignage. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu pries? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu parles en langue? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu fais les nuits de prière? Qu'est-ce qui a changé depuis que tu fais les jeûnes? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Vous allez voir que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, acte 1, 8 le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ou d'abord à Jérusalem, là où on vous connaît très bien. Ceux-là doivent être, tu dois leur donner la possibilité de constater que tu n'es plus la même personne, pas ailleurs. Pas, d'abord dans ta Jérusalem. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé depuis? Parce que la première manifestation, c'était le parler en langue. Prier à haute voix. Ça a commencé avec la Pentecôte. Prier à haute voix. Mais c'est quoi c'est? Mais ces gens-là, c'est quoi? Ah, ils sont fous. Oh, ils sont sous et tout. Mais après, surveillons d'abord. En dehors du parler en langue. En dehors de prier à haute voix. En dehors d'être là un peu comme des fous. Attendons un peu. Surveillons, regardons, suivons-les. Qu'est-ce qui a changé? C'est là que le monde nous attend. Bien-aimés, nos églises sont des églises de pilleurs. On prie beaucoup trop. Mais le témoignage est faible. C'est pour ça que l'église n'a pas de puissance et d'autorité. L'église n'est pas respectée. Quel a été le témoignage que les premiers disciples ont offert? Alléluia. Alors, donc le texte que nous avons lu, il décrit un peu tout le processus. Après avoir entendu, parce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre, quelle a été sa première initiative? C'est témoigner Christ. C'est pour ça que je dis, le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te pousse tout de suite à témoigner Christ. À témoigner Christ. Pas à te témoigner, mais à témoigner Christ. Pas à témoigner ton église, pas à témoigner ton système, à témoigner Christ. C'est pour ça qu'à l'église, on parle de Christ. L'enseignement de l'église, c'est un enseignement sur le Christ. Alléluia. Il s'est mis à témoigner Christ. C'est Christ-là qui les a pris pendant 3 ans et demi. Il a commencé à libérer ce qu'il avait reçu, à partager ce qu'il avait, il avait reçu, à distribuer ce qu'il avait en lui. Oh, et s'il y a quelqu'un ici, le Saint-Esprit nous pousse à témoigner Christ. Et c'est en témoignant Christ, bien-aimé, que ceux qui étaient là à Jérusalem ont été vivement touchés. Dis, mais Pierre n'a jamais parlé comme ça. Depuis quand ce Pierre-là qui a fui même devant une pauvre femme le jour de l'arrestation, depuis quand Pierre parle comme ça?
Et quand il parlait, c'était tellement puissant. Alléluia. Au fait, c'est le Saint-Esprit qui le faisait parler, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'agent du salut, c'est le Saint-Esprit. L'instrument du salut, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc quand il témoignait Christ, le Saint-Esprit touchait les gens qui étaient là. Le Saint-Esprit convainquait les gens qui étaient là. Et ils ont accouru vers Pierre. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous ?» Cette question sous-entend quoi? Ils suppliaient Pierre de leur montrer comment faire pour leur ressembler. Comment faire pour être comme vous? Comment faire pour parler comme vous? Comment faire pour vous ressembler? Quel est le secret de votre puissance? Pierre, quel est le secret de ton onction? Quand tu parles, ça me touche. J'ai l'impression que tout bouillonne en moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour être comme ce que vous décrivez? Pierre va leur donner la recette, le protocole. Répentez-vous, première chose. Répentez-vous. J'attire notre attention. Le message de la nouvelle alliance, c'est la repentance. Vous êtes là? Jean-Baptiste, qui a été donc le dernier grand prophète avant l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus. Son message, c'était quoi là? La repentance. Jésus lui-même, son premier message, c'était la repentance. Les apôtres, leur premier message, c'était la repentance. Et c'était ça la force de l'église primitive. La force de l'église dépend du message qu'on donne. On va le voir. J'ouvre cette parenthèse sur la repentance pour nous encourager à revenir sur le message qui a fait la force de la première église. On ne peut pas changer ça. Pourquoi? Dieu est le même, le diable reste le même. Pourquoi on va changer? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible n'est pas améliorée. La Bible n'est pas amendée. Ce qui a fait réussir ceux d'avant nous fera réussir aussi. Repartons aux fondamentaux de l'église. Matthieu 3, verset 1 à 2. Qu'est-ce que le Seigneur dit là-bas? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Matthieu 3, 1 à 2. Le message de l'église, c'est la repentance. En ce temps-là, oui, parut Jean-Baptiste, oui, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché quoi? Quand on a arrêté Jean-Baptiste, alors Jésus a commencé. Marc 1, 14 à 15. Marc 1, 14 à 15. Alléluia. Tu prépares Matthieu 10, verset 7. Moi, je lis Marc 1, 14 à 15. Après cela, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce qu'il prêchait? Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, Jésus a commencé son ministère par le message de la repentance. Matthieu 10, verset 7. Jésus étant avec les apôtres, quand il les envoyait, on va dire un peu comme en stage, de temps en temps, quel est le message qu'il leur a donné? Matthieu 10, 7. Allez prêcher, oui, et dites, le royaume des cieux est proche. Tu vois? Il parle toujours du royaume. Quand on parle du royaume, en fait, c'est du salut. La repentance, bien aimé, je l'ai dit il y a quelques jours ici, c'est se détourner d'eux. Amen. Le salut dépend de ces deux opérations. La repentance et la conversion. On se détourne d'eux pour se tourner vers. La repentance, on se détourne du monde,
on se détourne des idoles de la vie d'avant pour se tourner vers Dieu, vers Jésus. Donc on s'est converti. Et quand on se répand, ça dit on se sauve d'un grand péril qui nous attend devant. Tu vois? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors les disciples même. Donc prenons encore les 70 que le Seigneur a envoyé. Luc 10, verset 17 à 20. Luc 10, 17 à 20. C'est important le message de la repentance. J'attire notre attention. Il faut revenir à ce message. C'est pour ça que vous avez vu cette fois-ci qu'on a parlé de la Pentecôte. On n'est pas tellement resté dans les aspects de puissance. Nous sommes restés dans les aspects de transformation, de caractère. C'est ça qui fait la force de l'Église, la force des croyants. Les 70 revinrent avec joie, oui, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Les démons nous sont soumis. Oh, ils étaient tellement contents. Il y avait des délivrances extraordinaires. Oui. En ton nom, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. C'est-à-dire, quand vous chassiez les démons là, moi je voyais Satan tomber du ciel, prêt à vous décimer, prêt à vous détruire. Oui. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Qu'est-ce qui vous a gardé? Sur les serpents, oui, et sur les scorpions, oui, et sur toute la puissance de l'ennemi, oui, et rien ne pourra vous nuire. Alors, est-ce que la puissance suffit? Est-ce que le pouvoir suffit? Je vous ai donné ça. Vous marchez sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance. C'est bien tout ça. Est-ce que ça suffit? Continue. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le royaume. Le royaume. On peut chasser un démon, mais cela ne suffit pas. Quelqu'un m'a entendu? Tu peux avoir été guéri, cela ne suffit pas. Ça, c'est les choses de la terre. Ça t'entretient pendant un temps ici sur la terre. Mais ce qui est important, c'est que ton nom soit écrit dans les cieux. Le royaume. Alors, les disciples ont commencé comment? Acte 2, 38. Tu vois, on a pris Jean-Baptiste et Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus de son vivant. Et là, ils sont partis, ils ont maintenant le Saint-Esprit. Ils ont commencé. Parce que nous pensons, non, nous c'est la grâce. Mais la grâce n'exclut pas la repentance. La grâce n'exclut pas la repentance. Le premier message des disciples, c'était quoi? La repentance. Après la Pentecôte, le premier message, c'était toujours la repentance. Jean-Baptiste, repentance. Jésus, repentance. Les disciples du vivant de Jésus, repentance. La Pentecôte, repentance. Pourquoi nous allons changer ça? Vas-y. Pierre leur dit, oui? Repentez-vous. Et que Pierre, c'était le disciple, l'apôtre majeur. Celui à qui Jésus a dit, je te laisse les clés de l'Église. Oui? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Chacun de vous soit comment? Baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, je referme la parenthèse sur la repentance. Donc, il faut revenir à ce message. Nous ne devons pas à l'église prier pour faire plaisir aux gens. Le message ne doit pas être un message qui encourage les gens à gagner tout sur la terre et à ne pas se préoccuper de leur salut. C'est très dangereux, c'est pas juste. C'est pas pour ça que Dieu nous a donné le ministère. C'est pas juste. Nous jouons avec les âmes des gens. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc, quand tu prends le micro ou tu te mets devant un peuple, tu dois d'abord t'assurer qu'après ton message, tu as rapproché quelqu'un de son salut. Sinon, ce sont les choses de la terre. Vous êtes là? Je n'ai pas beaucoup d'amen aujourd'hui, mais supportez-moi. En tout cas, même si tu intercèdes pour que j'arrête, je n'arrêterai pas, j'irai jusqu'au bout. Oui, oui, oui. Répentez-vous. Donc, quand ils ont reçu le message, répentez-vous, soyez baptisés. Le baptême, pourquoi le baptême? Le baptême, la Bible dit dans 1 Pierre 3, verset 21, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça fait partie du
si j'utilise ce mot, vous savez, il y a des mots qu'on utilise, c'est comme si ça fait partie de notre rituel d'initiation à la vie chrétienne. Hein, tu vois, il y a des gens qui ont peur parce que je dis initiation là. Amen, amen, amen. Quand vous voyez tout ce qu'on fait, on doit toujours entrer par la porte. Tu vois? Si tu dis que tu es fils de Dieu, tu es chrétien, on va te demander, est-ce que tu avais donné ta vie à Jésus publiquement? Est-ce que tu as appelé Jésus dans ta vie? Tu as confessé, Seigneur, je te reçois, je te donne ma vie, pardonne mes péchés. Voilà. Amen, amen, amen. Je te reçois comme Seigneur. Ça commence par là. Deuxièmement, tu fais quoi? Tu passes par le baptême. Tu passes par le baptême. Sois béni. Nous acclamons le Seigneur. Tu passes par le baptême. C'est pas des histoires. Hein, si tu sautes une étape, tu es un chrétien déséquilibré. Amen, amen, amen. C'est plus qu'un symbole. Ce sont des mystères. Baptême, Sainte-Seine et tout. C'est plus que ce qu'on nous a dit de ça. Ce sont des mystères. Tu témoignes devant tout le monde de ton engagement dans le Seigneur. Tu témoignes, tu donnes un témoignage public de ta conversion, de ton allégeance à Jésus toute ta vie. Le vieil homme est mort, tu plonges dans les eaux du baptême, et quand je renais, ce n'est plus le vieil homme. C'est quelqu'un qui va suivre Jésus toute sa vie. Et tu en donnes le témoignage. Les esprits sont là, les hommes sont là. Ils sont témoins de ce que tu as posé comme acte. Et le baptême va témoigner cela. Est-ce que quelqu'un entend cela? Tu vois? Ils ont été baptisés. Et après, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est vrai qu'après, Dieu est souverain. Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui n'est pas baptisé. Mais la règle, c'est celle-là. Amen. Voilà. Même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême, après, ils ont quand même été baptisés. Vous êtes là? Vous êtes là, bien-aimés? Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que Dieu, notre Père, les appellera. Donc la promesse était pour eux et pour nous aussi. Pour nous. Amen, amen, amen. Pierre a dit, ce n'est pas difficile. Il faut seulement se repentir. Vous voulez être comme nous. Vous voulez être puissant. Il n'y a pas d'effort à faire. Repentez-vous seulement. Soyez baptisés. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez capable de témoigner comme nous. Vous serez capable. Bien aimé, dans la dispensation de la grâce, il n'y a pas. Oh, c'est tout le monde a droit. Tout le monde peut opérer. Tout le monde peut travailler. Tout le monde, bien aimé, peut avoir une manifestation du Saint-Esprit en lui. Tout le monde. Tout le monde. Dans la dispensation de la grâce, le Seigneur nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Ce n'est plus l'apanage d'un groupe de gens, non, non, non. Tu as vécu une conversion authentique, bien-aimé, mais l'Esprit va t'utiliser. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, on a dit ça, les pasteurs, les prophètes, tous ceux qui auront cru. Il suffit de croire. Et la force est dans le Saint. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, après ces paroles qui les ont convertis et plusieurs autres paroles, donc ils ont été exhortés, encouragés. Pierre leur a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est convertir, bien-aimés, aller vers Jésus, c'est se sauver de la génération. Quand vous regardez comment le monde est en train d'évoluer, il faut se sauver, il faut se sauver de cette génération perverse. Tous les signes sont mauvais. Le calendrier va vers sa fin. Il suffit d'un peu d'attention seulement. On n'a pas besoin d'être un théologien pour voir que tout ce que le Seigneur a dit est en train de s'accomplir. On va vers la fin. Et ce qui est bien, il faut se sauver de cette génération perverse. Amen. Alors, quand ils ont reçu cela, quelle a été leur vie? Quel a été leur témoignage? Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été ainsi baptisés, quel a été leur témoignage? Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole, le message des apôtres, ils furent baptisés, tu vois. Comme Paul, Pierre leur a dit, ils ont été baptisés.
Il y a des gens ici, tu as 10 ans à l'église, tu ne te baptises, tu n'es pas baptisé. Toi, tu as trouvé un autre livre qui t'a montré une autre façon de faire. C'est ça. C'est les choses de Dieu, il faut aller par la foi. Quand on dit ça s'est fait comme ça, fais comme c'est dit. Dieu agit dans l'obéissance. Tu veux comprendre Dieu, mais dès que tu comprends Dieu à 100%, Dieu n'est plus Dieu. Hein? Ils ont obéi. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'est le message de la repentance qui a fait gagner quoi? 3000 âmes qui se sont ajoutées aux 120 d'avant. La repentance. Mais aujourd'hui, tu vois, parfois on prend des thèmes là, des thèmes accrocheurs, des thèmes qui peuvent appâter les gens. Non, il faut dire la vérité aux gens. Toi, tu donnes le message, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Amen. Alors, maintenant, ceux qui étaient sauvés, quel était leur témoignage? Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je suis en train de donner ici les points, les différents points du témoignage d'une vie transformée. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu la vie de Dieu, quelle a été désormais leur vie? Première chose, ils persévéraient où? Comment? Dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement, bien-aimés. Hein? Ils persévéraient dans l'enseignement. C'est l'enseignement qui équipe, qui affermit, qui donne la stature, qui forme Christ en nous. On ne peut pas grandir si on ne se nourrit pas. Et pour grandir en Dieu, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous prions beaucoup, mais beaucoup d'églises et beaucoup de gens n'aiment pas l'enseignement. L'enseignement, c'est le moment d'arrêt. Et ces jours-là, vous allez voir, si j'aligne 5 et 10 dimanches ici, c'est le moment à enseigner. On dira non, le pasteur n'a plus d'onction. Mais l'onction est dans l'enseignement. L'onction est dans l'enseignement, alléluia. L'onction est dans l'enseignement. L'onction n'est pas dans les messages arrangés, des messages qui laissent les gens à l'aise dans leur péché et qui leur promettent de je ne sais pas quoi. Non. Je vous l'ai dit aussi, soyez exigeants avec les pasteurs. Soyez exigeants. Demandez-leur l'enseignement. Demandez-leur de vous parler de Christ. Soyez exigeants. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais. Quand quelqu'un parle, tu sais que là, il est en train d'arranger. Là, il est en train de vouloir faire quelque chose. Là, il veut qu'à la fin, je donne ceci. Tu es assez intelligent pour ça. Quand il a fini, tu dis, nous attendions Jésus. L'enseignement de qui? De Christ. Le témoignage de Christ. Pas les gens qui se témoignent eux-mêmes. Pas les gens qui consolident leur empire. Pas les gens qui parlent de leur propre leadership. Sans parler de Jésus le Sauveur. Sans parler de ce que Jésus a fait à la croix. Les apôtres ne se sont pas témoignés. Ils ont témoigné Christ. Vous allez voir dans Acte 9, quand Saul de Tarse, quand il rencontre Jésus, il tombe presque aveugle. Il était aveugle en tout cas, il ne voyait plus. Il va chez Ananias. Ananias se prie pour lui, on lui impose la main. Il reçoit le Saint-Esprit, les écailles tombent. Il passe dans les eaux du baptême. Dès qu'il se lève, il a commencé à témoigner. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. À l'église, on témoigne Christ. Et on témoigne ce que Christ a fait pour sa gloire. Quelqu'un entend cela? L'enseignement des apôtres. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. C'est alors que tu feras quoi? Et c'est alors que dans toutes des entreprises. Le succès et la réussite, c'est avec la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose, alléluia. C'est avec la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Sa bénédiction est dans sa parole. La vie de Dieu est dans sa parole. Ne changeons pas ça, bien-aimés. Dieu est dans sa parole. Il n'y a pas autre chose. Il
Mais quand il n'y a pas la parole, on remplace par des supports, on remplace par des stratégies, on remplace par toutes sortes de choses, bien-aimés. Ramenons la parole, l'enseignement à l'église, nous verrons les résultats. Les dons ne remplacent pas l'enseignement. Les charismes ne remplacent pas l'enseignement. D'abord la parole. Si les dons travaillent sur la base de la parole, il y aura des miracles, il y aura des changements. Les dons doivent travailler sur le soubassement de la parole. Voilà l'église l'église primitive. C'est ça qui faisait leur force. Aimez la parole, ma soeur. Aimez la parole, mon frère. Réconciliez-vous avec la parole. Réconciliez-vous avec votre Bible. Que votre Bible ne décore pas seulement votre bibliothèque. Travaillez votre Bible. Visitez votre Bible. Méditez votre Bible. Dieu est dans sa parole. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de sa parole. Alléluia. Pourquoi c'est pas Dieu le Père qui est descendu? Au commencement, Dieu avait en lui, alléluia, le Père. Dieu vit que, alléluia, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus. Et Dieu dit, quand on dit Dieu dit, c'est la parole. Et c'est la parole qui est descendue, alléluia. C'est la parole qui s'est faite chair. La relation que nous avons avec Dieu, bien-aimé, c'est au travers de là, c'est la parole. C'est la parole qui nous a renseigné sur ce qui nous attend au ciel. C'est la parole, bien-aimé, qui est le pont pour regagner la gloire que nous avons perdue. La parole de Dieu. La parole. Jésus, c'est la parole, alléluia. La parole est faite chair. Mangez la parole. Méditez la parole. Les hommes vous parlent, oui. Les hommes vous racontent des histoires, oui. Mais Dieu a dit quoi? Quand tu as fini d'écouter les hommes bien-aimés, avant de dormir, écoute Dieu, consulte la parole. Avant d'écouter les hommes, avant de te réveiller le matin, commence par écouter Dieu, visite ta Bible. Le succès, la réussite, c'est avec la parole. Oh, j'ai pas eu ton amen. Le rapport à la parole. La parole, la bonne nouvelle. Alléluia. La parole est source de bénédiction, de toutes les bénédictions. Elle assure notre croissance et forme Christ en nous. Tu ne peux pas être un chrétien consistant si tu n'as pas la parole. Quelqu'un m'entend? Quand tu es fondé sur la parole, bien-aimé, on ne peut pas te balloter. Tu es solidement ancré. Les vents et les tempêtes peuvent te visiter, mais tu tiendras debout. Ma prière est que tu te réconcilies avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui marchent plus avec la parole de leur médecin qu'avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui marchent plus avec les paroles de leurs parents. Où notre tante avait dit, mais ta tante vient de naître et va mourir demain. Dieu est éternel. Dieu a parlé avant. Dieu a parlé avant et Dieu restera après. Écoute Dieu. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne faillira jamais. Ne chouera jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est dans la parole de Dieu que nous avons les promesses de Dieu. La réalité peut être difficile, mais tu vas découvrir une promesse de Dieu qui va te permettre de tenir bon, malgré l'adversité, malgré l'épreuve. Un homme qui connaît ses promesses, malgré bien aimé la tempête, il tient bon parce qu'il sait que Dieu fera, Dieu agira, Dieu changera la donne. Lis la parole de Dieu. Tu découvriras au milieu de tes épreuves les promesses que Dieu t'a faites et qui s'accompliront certainement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je veux que cette église aime la parole. Que les gens aient soif de la parole. Que les gens aient faim de la parole. Vous savez, quand tu arrives à l'église, c'est ta première quête.
Tu veux, tu aimes l'enseignement. Alléluia. Et le Saint-Esprit agit facilement là où Christ est témoigné. Là où la parole de Dieu est donnée avec exactitude. C'est quand Dieu a parlé que le Saint-Esprit s'est empressé maintenant de faire quoi? D'accomplir les paroles que Dieu avait dites. De donner la forme à la terre qui n'avait pas de forme. Avant, l'Esprit se mouvait, il attendait. Il attendait une parole. L'Esprit agit toujours là où il y a la parole. C'est pour ça que Jésus n'a pas commencé par leur donner le Saint-Esprit. Il leur a d'abord enseigné la parole. Il les a équipés, puis il a dit, maintenant que vous êtes enseignés, le Saint-Esprit va venir accomplir tout ce que vous avez appris. Ça commence par la parole. La force de l'Église, c'est l'enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ça, ce sont les points forts de l'Église primitive. Le témoignage qu'on pouvait lire clairement dans leur vie. Ils persévéraient dans l'enseignement. Ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage. Ils persévéraient dans quoi encore? Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. La communion. Vous savez, pour maintenir la communion, il faut beaucoup de hauteur. On ne se met pas ensemble forcément parce qu'on est d'accord sur tout, non. Demandez au foyer, au couple. Les foyers qui mettent longtemps, ce n'est pas parce que les gens s'entendent sur tout, non. C'est parce que la joie d'être ensemble prend le dessus sur les désaccords. C'est ça l'amour. Quand il y a l'amour, il y a la communion fraternelle. Ça dit, tu refuses d'être la personne qui va briser le lien de la paix. Tu t'interdis l'initiative de briser le lien de la paix dans la famille, ni à l'église. Vous connaissez un peu mon évangile, hein? Le diable ne passe pas par moi pour toucher ma soeur ou toucher mon frère. Je ne lui prêterai pas ma bouche. Parce que je sais qu'il n'a pas de bouche, c'est un esprit. Pour sortir une mauvaise parole, il va recruter quelqu'un pour parler pour lui. Mais je ne lui donnerai pas ma bouche. Il n'utilisera pas ma main. Je ne marcherai pas pour lui. Je maintiens la paix. Pour maintenir la paix, il faut se supporter. Si tu te crois fort, supporte les faibles. Soutiens les faibles. On va voir cela. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Oh mon Dieu. Est-ce que cette parole aide quelqu'un? Le témoignage d'une vie transformée. Quand tu es transformé par le Saint-Esprit, c'est comme ça que ce sont les signes, ce sont les témoignages que le monde attend de toi. Tu aimes l'enseignement. 1 Thessaloniciens 5, verset 4, oui. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Alléluia. Lis Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Voilà, c'est ça en fait que je cherchais. Supportez-vous les uns les autres. Et si pour garder le lien de la paix, il faut se supporter. Pourquoi souvent nous avons des problèmes? C'est parce que nous voulons que les gens nous ressemblent. On a le droit d'être différent. N'exigez pas aux autres de vous ressembler. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Chacun naît à son jour. Chacun vient d'une famille. Chacun a son éducation, son niveau de compréhension aussi. Ce n'est pas facile. Mais on peut se supporter pour garder le lien de la paix. Et d'ailleurs, si on est tous pareils, ça sera monotone. On va s'ennuyer. Ce sont les différences qui font que c'est bien. On apprend des autres, ça donne la matière à réflexion, tout ça. Tu vois? Donc il faut se supporter. Relis encore ça, s'il te plaît. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un
à sujet de se plaindre de l'autre, hein? Pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Alléluia. Lis maintenant Éphésiens 4, versets 1 à 4. Tu vois la communion fraternelle. Il ne faut pas être la personne qui va briser la paix dans l'équipe. Il ne faut pas être la personne qui va amener le trouble dans la famille. Ne te fais pas recruter par le diable pour détruire la famille. Ne parle pas pour son compte. Ne sois pas son ministre de communication. Alléluia. Oui. Qui ne t'utilise pas? Quand tu parles, tu fais quoi? Tu donnes la paix parce que tu as la paix en toi. Toi, tu portes les fruits, il y a la paix, il y a la joie. Même si tu montes tes opés là, quand tu parles, bien aimé, éteins le feu. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui entend cette parole? Oui. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Oui. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, oui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui. En toute humilité, oui, et douceur, avec patience. Tu vois, donc pour garder la communion fraternelle, il faut l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, tu te croiras toujours supérieur à tout le monde. Tu n'es pas supérieur à tout le monde. Il y a des gens qui ne disent pas ce qu'ils sont et ce qu'ils font. C'est une erreur que tu fais. Il y a des gens à qui on n'a même pas encore donné la possibilité d'exprimer ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Fais tout ce que tu sais faire avec humilité. Sinon, demain, tu seras surpris de trouver quelqu'un qui va faire deux ou trois fois plus que ce que tu fais. L'humilité protège. Quelqu'un entend cela? Et l'humilité, c'est une arme fatale. Ça va te permettre d'opérer et même donner la possibilité aux gens de te sous-estimer. Et quand tu vas t'exprimer là où on ne t'attend pas, ça va calmer certaines personnes. Que les sentiments qui étaient en Christ soient aussi en nous. C'était surtout les sentiments d'humilité que Dieu nous accorde. Et ça, ça avait marqué les premiers chrétiens. Oui. En toute humilité et, oui, douceur. Et douceur. La douceur. Quand tu parles, ça blesse les gens. Hein? La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Oui. Avec patience. Écoutez, l'humilité et la douceur, ce n'est pas un signe de faiblesse. Oui. Ce n'est pas un signe de faiblesse. L'humilité, c'est quoi? C'est un abaissement volontaire. C'est-à-dire tu décides de considérer les autres comme supérieurs à toi. C'est toi qui décides. Ils ne le sont pas forcément. Mais tu leur donnes une possibilité de s'exprimer aussi. Sans te renier. Est-ce que nous comprenons? Oh, recevez cette grâce. L'humilité précède la gloire. Vas-y. Avec patience. Avec patience, la patience. Ce sont les fruits de l'esprit. La patience. Pour garder le lien de la paix, il faut la patience. Il y a des choses quand tu vois, tu laisses seulement, tu es patient. Tu fais confiance au Seigneur. Tu dis, Dieu saura régler ce problème. Tu pries, tu fais confiance à Dieu. Tu parles, ça ne change pas, tu pries. Parce que, je l'ai dit, je l'ai redit encore, tu n'as aucune possibilité de changer le cœur d'un homme. Tu ne peux pas changer le cœur d'une personne. Tu n'en as pas les moyens. Oui? Vous supportant les uns les autres. À l'église, on n'enterre pas les autres. On n'enfonce pas ceux qui tombent. Si tu te crois fort, relève celle qui est tombée. Aujourd'hui, l'église, c'est la seule armée où parfois nous laissons les blessés sur le champ de guerre. Non. Quelqu'un est blessé, on le prend, on va le soigner. Amen. Même, vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez Israël, n'est-ce pas? Vous connaissez Israël, non? Le pays. Là, je ne parle pas du peuple, le pays, le territoire physique qui est là. C'est différent, hein? Alors, il faut le savoir, c'est différent. Alors, les soldats israéliens, je parle des Israéliens, parce qu'ils ont la mentalité juive, ils ont cette sémence en eux. Si vous tuez un militaire israélien, débrouillez-vous pour leur rendre le corps. Si vous gardez le corps, ils vous feront la guerre que pour récupérer ce corps-là.
Ils ne laissent jamais leurs prisonniers. Une fois, en Ouganda, il y a quelqu'un qui avait essayé de faire un truc. Ils ont débarqué. Ils sont partis de là-bas en Israël. Ils ont atterri au temps d'Idi Amin Dada. Bon, les jeunes, ils ne connaissent pas. Amen, amen, amen. Ils ont débarqué là. Ils ont pris leur garde, ils sont partis. Il y avait les militaires et tout, mais ils n'ont rien vu. Amen, amen, amen. Parfois là-bas en Palestine, on tue un militaire, ils vont tout faire pour récupérer le corps. Mais l'église aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, on l'enfonce. Quand quelqu'un a des problèmes, on l'expose. Et ça affaiblit l'église. Gardons la communion fraternelle. Oui. Vous supportons les uns les autres, oui, avec amour. Avec amour. Parce que c'est notre nouvelle nature. Tu vois, les deux personnes qui s'entendaient ne s'entendent. Quand tu vérifies, il n'y a même pas de problème. Vous avez permis au diable d'entrer dans votre relation. Vous avez brisé le lien de la paix. Ta soeur n'est pas ton problème. Ton frère n'est pas ton problème. C'est le diable qui est ton problème. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Le témoignage d'une vie transformée. Gloire à Dieu. Il ne s'arrêtait pas là, bien-aimé. Vous efforçons conserver l'unité de l'esprit Oui. par les liens de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous devez faire l'effort de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. S'il n'y a pas de communion dans une équipe, prenons une équipe comme l'intercession. Vous ne vous entendez pas. Vous allez prier quel Dieu? Vous pouvez transpirer, mais Dieu n'est pas là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils ont transpiré que Dieu a... Non. Dieu, il répond même aux soupirs. Tant que c'est sincère, Dieu peut répondre. Le tout, c'est le cœur qui prie. C'est pour ça qu'il est écrit la prière fervente de qui? Du juste a une grande efficacité. C'est le cœur. Ce n'est pas le bruit. Maintenant, si le cœur est juste, le bruit, c'est un plus. Amen. Tu vois, c'est pour ça que je me réjouis des équipes qui sont unies. Vous êtes là. C'est une force. Quand le diable veut s'incruster, il ne trouve pas un moyen. L'unité est une force. Alors, deuxième élément de témoignage de la vie transformée des premiers disciples, troisième plutôt, c'est quoi? Ils étaient dans la fraction de pain. La fraction de pain. Un, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deux, dans la communion fraternelle. Trois, dans la fraction de pain. La fraction de pain ici, c'est l'image du corps de Christ partagé. C'est-à-dire, on partage le corps de Christ. C'est-à-dire, on est unis autour du corps de Christ. Alléluia. Alléluia. La fraction de pain. Et c'est ça l'essence même de la Sainte Cène. C'est comme cela que, dans les églises classiques, on appelle ça la communion. C'est un moment de communion autour du corps de Christ. Un moment de communion, le corps de Christ ici, et c'est en quoi? L'église que nous constituons, à laquelle nous appartenons. Donc un moment de fraction de pain. Un moment d'unité. Tu coupes, tu donnes à ton frère, tu donnes à ta sœur. Un moment de partage. Alléluia. Oh, alléluia. Tu vois, ça c'était la force de l'église d'avant. Le partage c'est-à-dire le partage du corps de Christ, c'est un geste fondamental de communion entre les frères, entre les bien-aimés autour du corps de Christ auquel ils appartiennent tous en tant qu'église. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Je suis en train de décrire la vie des chrétiens de la première église. Et quand nous examinons ça, nous voyons bien si nous leur ressemblons ou pas. Est-ce que ce modèle nous sert ou nous en sommes écartés nous-mêmes? C'est toujours bien de suivre quelqu'un qui connaît le chemin. C'est toujours bien d'avoir le repère. Et le repère, c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi allons-nous changer ça? Les gens prient beaucoup, mais ils se regardent en chien de faïence. Chacun pour soi. On salue que les gens qu'on connaît. Les gens s'assemblent par
coterie. C'est-à-dire, voilà, bisobatu à côté boye, bisobatu à ndinga boye. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes encore charnel. Beaucoup de parler en langue, mais charnel. C'est ça. Et c'est ça qui affaiblit l'église. Les gens veulent bien nous suivre, mais ils attendent le témoignage. Depuis qu'ils parlent en langue, qu'est-ce qui a changé? Alléluia. Tu vois? Quatrième élément de témoignage. Un, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deux, dans la communion fraternelle. Trois, dans la fraction de pain. Quatre, dans les prières. Vous voyez où sont les prières? C'est à la fin. Or, aujourd'hui, quand nous venons à l'église, on commence déjà par la prière. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Tu envoies le feu où ça ne brûle personne. Même les démons se moquent de toi. Qui m'envoie le feu, toi? Vous connaissez l'histoire des fils de Séba, non? Toi, tu vas me chasser. Tu es qui? Ma bête, Inkuba. Amen. Vous croyez que le démon, c'est un petit? Hey. Les prières, c'est à la fin. Les prières sont efficaces quand il y a l'enseignement. Parce que quand il y a l'enseignement, tu prieras conformément à la parole et à la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'exauce que les prières qui sont faites sur sa parole et selon sa volonté. Même Jésus, le Père, lui a refusé l'exaucement. Oh, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Éloigne. Le Père a dit quoi? C'est pas ma volonté. Ma volonté est que tous les hommes soient sauvés. Même si tu ne meurs pas, Gustave sera sauvé comment? Il y a des prières auxquelles Dieu ne répond même pas. Dieu ignore tes prières parce que ce n'est pas dans sa volonté. Or, pour découvrir la volonté de Dieu, il faut aimer la parole. Alléluia. Les prières viennent à la fin. Là où il y a l'enseignement. Parce que tu dois prier avec la parole. Il est écrit. Dans les prières, il y a quoi, bien-aimé? Il y a les supplications. Tu supplies Dieu en fonction de ses promesses. Seigneur, tu as dit ceci. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais sinon, si tu ne connais pas la parole, tu vas le supplier sur quelle base? Quelqu'un entend cette parole? Bien-aimé, est-ce que c'est la parole de Dieu? Dites-moi amen si c'est la parole. La prière, c'est aussi un moment où nous confessons, nous proclamons notre foi. Mais tu proclames ta foi sur quelle base? La foi n'est pas une présomption. Oh, je présume que Dieu va faire. Non, la foi est fondée sur la parole. La foi est fondée sur une écriture. Sur il est écrit. Maintenant, si tu n'as pas d'écriture, tu vas fonder ta... Tu vas proclamer quoi? Alléluia. Alléluia. La prière, c'est aussi un moment de combat spirituel. Mais tu vas combattre comment? Si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Oh, le Saint-Esprit coopère avec la parole. Le Saint-Esprit aime là où c'est propre. Vous êtes là? Maintenant, si tu as attristé ton Saint-Esprit depuis longtemps, j'envoie le feu n'est même pas là. C'est le feu d'artifice. Pouah, c'est fini. Ça ne brûle personne. Au nom de Jésus, je te lis. Les démons disent, tu ne m'as même pas lié. Amen. Alléluia. Tu vois, dans le combat spirituel, on va avec les armes de Dieu. Amen. Les armes de justice. Les armes de justice, elles sont puissantes par la vertu de Dieu lui-même. Amen. Hein, tu vas dans le combat spirituel, il ne faut pas que le diable ait trouvé une faille dans ton camp. Sinon, il va te mater. Tu vois, tu vas prier sur quelle base? Au nom de Jésus, tu peux faire un mois sur la montagne. S'il n'y a pas la parole en toi, s'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi, s'il n'y a pas la communion, tu es quelqu'un qui hait les gens pour rien. Il y a l'animosité, la jalousie, l'envie, la colère, la méchanceté en toi. Même si tu fais de la montagne la plus haute du pays, au Congo ici c'est où? Le mont Nabemba. Même si tu vas au sommet là-bas, tu fais ton lit là-bas, Dieu ne t'écoutera pas. Dieu va répondre à quelqu'un qui dort sur son lit. Priez, nous prions beaucoup trop, mais il n'y a pas de résultat. Parce que ce qui fait la force de la prière, nous ne l'avons pas.
la parole, la justice, la communion fraternelle, la fraction de pain. Et Jésus a dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'église qui prie, c'est celle qui triomphe. Ça, c'est le témoignage d'une vie transformée. L'église qui prie, c'est celle qui triomphe. Bien-aimé, il faut être un homme de prière. Il faut être une femme de prière. Celui qui prie finit par triompher. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais tu finiras par gagner. Prier, c'est quoi? C'est recourir à Dieu. Prier, c'est reconnaître ses faiblesses. Prier, c'est dire à Dieu, je sais que je ne pourrai pas m'en sortir tout seul. Prier, c'est inviter Dieu dans tes affaires. Il fait des cieux sa demeure, la terre son marchepied. Si tu veux qu'il entre dans tes affaires, tu dois l'appeler. Prier, c'est maintenir le dialogue avec celui qui te protège. C'est maintenir la communication avec celui qui veille sur ta vie. Ne l'enlève pas de ton répertoire. Ne le fais pas sortir de ton agenda. Prier, c'est garder le contact avec celui qui a ta vie dans sa main, avec celui qui contrôle tes destinées. Veillez et priez si vous ne voulez pas tomber dans la tentation. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit, priez sans cesse. Tu as un défi, prie. Tu as un projet, prie. Tu as une promesse, prie. Alléluia. On t'a promis quelque chose, prie. Parce que dès qu'on te promet, il y a des forces qui vont s'intercaler pour que cette personne ne réalise pas ce qu'on t'a promis. On attend la promesse dans la prière. Dieu t'a promis la pluie, fais comme Élie. Va sur le mont Carmel, fais quoi? Sois en train de prier jusqu'à ce que la pluie descende. Tu as un voyage, prie. La prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu avant de parler aux hommes. Ne commence pas la journée sans avoir parlé à Dieu. Et quand tu as fini de parler aux hommes, ne va pas sur ton lit, bien-aimé, sans parler à Dieu. Parce que même dans le sommeil, beaucoup de choses peuvent se passer. Parle à celui qui est capable de veiller sur ton âme et sur ton esprit. Quand ton corps sera dans le repos. La prière. La prière, c'est la force de l'église. Évidemment, Jacques 5, verset 16 dit, la prière fervente juste à une grande efficacité. C'est-à-dire, l'efficacité de la prière est dans la justice et dans la ferveur. Mais il y en a qui n'ont que la ferveur, mais la justice n'est pas là. Il faut les deux. Amen. C'est pour ça que parfois quand nous prions ici, vous suivez les gens qui prient. C'est ça l'église. Quand on prie, vous ne savez pas. Ça encourage le Saint-Esprit à opérer dans la salle. L'église marche avec la prière. Et quand il y a le feu de la prière, bien-aimé, la prière entretient la flamme de la foi. La prière nous aide à garder la lampe allumée. Tu as un combat, prie. Au milieu de l'épreuve, prie. Au milieu des moments de joie, prie. Parce que l'ennemi, il viendra sans frapper à la porte. Quand tu pries, tu te protèges. La prière protège. Voilà pourquoi le Seigneur, en donnant le Saint-Esprit, la Bible dit, il vient nous aider parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Il vient nous aider dans la prière. En plus de combattre directement pour nous, le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Romains 8, 26. Amen. Voilà les quatre éléments principaux qui ont marqué les premiers chrétiens. L'enseignement des apôtres. La communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Jamais l'un sans les autres. La force de l'église était sur ça là, sur ces quatre. C'était les quatre piliers de la première église. Amen. Alors, une fois qu'ils vivent ça, maintenant dans la vie pratique, comment est-ce qu'ils se comportaient, comment ils opéraient? Vous êtes là? Oh, dites Amen, je termine.
Si ton amen est faible, je vais ajouter encore. Ah, donc tu veux que j'arrête, j'ai compris. Ah, je ne vais pas arrêter aussi. Bon, tu n'as pas dit amen, je continue. Je dois terminer ça. Ça ne vous bénit pas? Écoutez maintenant, on a parlé de ces quatre éléments. Maintenant, dans leur vie pratique, la crainte s'emparait de chacun d'eux. Ça, c'est le témoignage d'une vie transformée. Si ce que tu as reçu, c'est le Saint-Esprit va te pousser à craindre Dieu. Si ton Saint-Esprit à toi ne te pousse pas à craindre Dieu, c'est autre chose, ce n'est pas le Saint-Esprit. On dit quoi? Le Saint? Hein? Le Saint. Dieu a dit, comme je suis saint, vous aussi soyez saints. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il est saint, il doit être dans un corps comment? Saint. Propre. Ésaïe 11, verset 2, à la fin, dit qu'il est l'esprit de la crainte de Dieu. Tu ne peux plus marcher. On a lu tout à l'heure. Marchez, que votre conduite soit digne de la vocation qui vous a été comment faite. La sainte vocation. La crainte s'emparait. L'église, le nombre de fidèles s'accroissait et la crainte, on les reconnaissait par leur façon de craindre Dieu. Ils craignaient Dieu, ma soeur, mon frère. Ils craignaient Dieu. Oh mon Dieu. Alors, parce qu'il craignait Dieu, qu'est-ce qu'il se faisait? Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Donc les miracles, les prodiges, bien aimé, c'est le résultat de la crainte de Dieu. Nous voulons les miracles, mais les gens ne craignent pas Dieu. C'est pour ça que Dieu nous résiste. J'aime pas cette écriture parce que Jésus était trop violent. On ne donne pas la nourriture des enfants aux... Hey, c'est toi qui as dit. On ne donne pas la nourriture des enfants à qui? Il n'y a pas de chien ici. C'est une façon de dire, Dieu ne donne pas les meilleures choses aux chiens. Ah Jésus, non. Si moi, pasteur, je dis à quelqu'un que... Mais il va même me porter plainte à la gendarmerie. Mais Jésus était capable de dire ça. Ça veut dire que à l'église, il peut avoir les hommes animaux. Donc, ma cambo est l'invité. Dis Seigneur, aide-nous. Non, toi, tu n'es pas un chien. Je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vois, il y avait la crainte de Dieu. Et il se faisait des prodiges et des miracles. On doit craindre Dieu dans les équipes. Quand nous levons nos mains, ça doit être les mains pures. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui. Vous savez, Dieu peut répondre aux mains levées, même sans parole. Parce que Dieu lit ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu ne répond pas aux multiples paroles que nous déclarons. Non, Dieu répond à l'état de notre cœur. Il y avait quoi encore? On est presque à la fin. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il y avait l'unité, le partage, la solidarité. Il y avait quoi là? Libéralité.
On ne pouvait pas dire que tel est pauvre, tel est riche, non. Tout le monde emmenait quelque chose. Ils mettaient cela dans l'économa. Hein? Vous savez, il y a des entreprises, pas l'économa. Là, on met, ça y est, là où il y a la banque de... C'est un peu comme ici, on avait commencé une activité ici, une banque de vivres où on mettait du riz, tout ça, pour distribuer aux gens. C'était ça. Donc, tout le monde apportait. On mettait ça à la disposition de l'église. Amen. Et après, on assurait la distribution suivant les besoins de chacun. Ceux qui donnent, dès qu'ils aient donné, ils ont donné, ça ne leur appartient plus. Et ils attendent de prendre la part qu'on va leur donner. Personne ne se prévalait de quelque chose. Non, non, non. Chacun amenait ce qu'il avait. Les gens vendaient même leurs biens. C'est pour ça que, bien-aimé, le donner à l'église de Christ, ça n'a pas commencé avec nous ici. Ce n'est pas une invention ici. C'est ce que le Saint-Esprit a emmené. Il a emmené la libéralité. Les gens vendaient sans contrainte. Ils vendent leurs biens. C'est comme ça qu'Ananias et Saphira ont eu des problèmes. Parce qu'ils ont vendu, personne ne leur a demandé. Ils ont vendu, mais ils ont caché une partie. Ils ont été frappés, ils sont morts. Les gens apportaient de leur gré, avec joie, ils donnaient avec joie. Ils apportaient de l'argent, ils apportaient les bœufs, ils apportaient toutes sortes de choses, les vêtements, tout ça. Et on voyait qui était, comment on donnait aux gens suivant leurs besoins. Et la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes indifférents alors que notre sœur n'a rien. Parfois, on a des tonnes d'habits qu'on ne porte plus. Notre sœur, elle se bat avec un pagne depuis des années. On est indifférent, on est insouciant, chacun pour soi. On veut être connecté à Dieu, qu'on ne voit pas, on ignore notre prochain qui est tout à côté de nous. Jésus a dit, quand vous avez visité un malade à l'hôpital, quand vous avez été faire du bien à un prisonnier, c'est à lui que vous l'avez fait. Vous manquez l'occasion de faire du bien à Jésus. Tu vois, ils mettaient tout en commun et l'église était devenue tellement riche que ça a créé des problèmes. L'église primitive n'était pas pauvre. Hein. Les gens, ils parlent parce qu'ils ne lisent pas bien. Il y avait la richesse, il y avait l'argent. Il y avait tellement de biens que les disciples étaient maintenant en petit nombre. Ça leur prenait tellement du temps pour le partage. Et ça a commencé à leur prendre le temps de la parole. Ils ont dit, non, non, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'était ça la base du diaconat. Ils ont dit, on va chercher quelques frères, quelques bien-aimés, qui sont animés, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, et ils vont s'occuper de distribuer ces choses-là, et nous allons rester à la parole. C'est comme ça qu'on a établi le diaconat à l'église. L'église était riche, mais ça venait d'où? C'était ceux qui avaient été délivrés, touchés. Ils avaient la joie d'apporter, la joie de donner. Tu ne peux pas être indifférent alors qu'il y a un besoin à l'église, il y a un besoin d'évangélisation, il y a un besoin, on doit soutenir tel, tel. Tu es indifférent? Non! Si c'est le Saint-Esprit qui t'a touché, bien-aimé, il va te donner aussi la libéralité. La libéralité, c'était l'un des témoignages de l'église primitive. Est-ce que quelqu'un entend cela? Ils étaient tous ensemble. Quelqu'un est dans le deuil, on va le soutenir. Quelqu'un a une fête, on va se réjouir avec lui. Nous sommes devenus une famille. Vous savez, la famille chrétienne, bien-aimé, nous offre une sorte de sécurité. C'est là où on se doute de rien. Parce qu'en réalité, notre sœur veut notre bien. C'est là où on s'encourage. C'est là où on prie les uns pour les autres. Je n'ai pas envié ma sœur. Je n'ai pas envié mon frère. Je l'encourage. Alléluia. Quand je parle, c'est pour le bénir. Je veux son succès. Je veux sa réussite. Alléluia. Ça sécurise. C'est tellement bien de se savoir aimer. Tu vois. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Qu'est-ce qu'on n'entend pas même dans les églises? Où les gens, on arrive même à s'empoisonner. Ça dit même ce que le diable refuse de faire lui-même. Toi, tu vois là, tu vas empoisonner ton frère, ta soeur, empoisonner, à coup fa, parce que tu vas gagner quoi? Est-ce que c'est lui qui t'empêche d'être béni? Tu vois, il y a ça, il y a des coups bas, il y a des choses, il y a des choses à l'église qu'on ne trouve même pas dans le monde. C'est pour ça que nous avons du mal à convertir ceux du monde à Christ. On a du mal. Le témoignage d'une vie transformée. Nous prions beaucoup, les gens attendent le témoignage. Mais les gens, la méchanceté dans le cœur. On souffle dans son cœur quand on voit quelqu'un réussir. On ne doit pas voir ça à l'église.
que Dieu nous aide. Vous êtes là? Ils étaient chaque jour dans le temps assidu au temple, l'assiduité au temple. Ils trouvaient du plaisir à être à l'église. La joie de retrouver les frères. La joie d'être dans la famille chrétienne. Alléluia. Et là, quand vous voyez, oh mon frère, comment ça va? Shalom. Shalom, ce n'est pas une salutation, c'est une bénédiction. Shalom. Ça dit que la paix, soit en paix, ma soeur, mon frère. Alléluia. On est content d'être ensemble. David a dit, je suis heureux qu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Il voulait être dans le temple de Dieu. Pourquoi? Pour se nourrir de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens fréquentent beaucoup d'endroits, mais ils réduisent peu à peu le temps qu'ils avaient, la relation qu'ils avaient avec Dieu est en train de se réduire. Ne remplace jamais Christ par quelqu'un ou par quelque chose. Tu vas te mettre en danger tout seul. Il y a des bénédictions, bien-aimés. Il y a un niveau de bénédiction qu'on ne peut atteindre que quand on est au milieu de l'assemblée. Il y a des grâces que Dieu ne déverse que quand nous sommes réunis comme ça. Dieu est tellement content de trouver un peuple uni en train de l'élever, de le célébrer, qu'il répond une onction, une grâce sans mesure. C'est pour cela que Hébreux dit, ne quittez pas vos assemblées. Il y a une bénédiction dans le temple. Amen. Trouvons la joie à être dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous aide. Je disais que Dieu nous aide. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient la nourriture comment? Avec joie et simplicité de cœur. Donc ce qu'ils faisaient à l'église, même chez eux, c'était la même chose. Il y avait la simplicité. Vous savez, l'une des manifestations de la délivrance, c'est quoi? C'est la simplicité. On devient un homme simple. La simplicité est un signe de liberté. Alléluia. Mais il y a des gens avec le Saint-Esprit, mais tu es plus bizarre que Goliath. Tu es plus terrible, bizarre que Goliath. Quand tu regardes les gens, Goliath Sima, Goliath Akosa. Tu as quel Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la vie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la patience. Alléluia! Partager avec joie. Vous savez, le repas, même le mieux préparé, si tu ne le prends pas avec joie, oui, c'est la joie qui crée l'appétit. Si tu ne le prends pas avec joie, il ne va pas te bénir. Il y a des gens, tu manges estomac. Le problème, c'est même pas ce que tu as mangé, c'est l'état de ton cœur. La Bible dit, un cœur joyeux, c'est un bon remède. À l'église, tu es le même quand il faut adorer. Tu. À la maison, tu. Mais non, moi, parfois, je fouille, je suis en train de chercher l'opportunité de te voir joyeux. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Mais c'est vrai. Quand il faut adorer, tu as un problème. Il faut louer, tu as un problème. Et parfois, même quand le pasteur parle, tu me veux intimider par ton regard. Moi, on ne m'intimide pas. Amen, amen. La joie du Seigneur est ma force. Recevez la joie du Seigneur. Recevez la joie du Saint-Esprit. Recevez la joie du Saint-Esprit. Recevez la joie du Saint-Esprit. Là où il y avait l'amertume, là où il y avait des blessures. Recevez la joie. Recevez la joie. Soyez guéris dans votre cœur. Soyez restaurés dans votre âme. Alléluia. Oh, le témoignage d'une vie transformée. Ça, c'est la première église. J'aimerais tant voir ça dans notre église. J'aimerais tant vivre ça dans notre église. Oh Jésus. Alors, ils avaient la joie et simplicité de cœur et ils faisaient quoi? Ils louaient Dieu. Le Saint-Esprit suscite la louange.
quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu vas louer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour bien adorer le Dieu de notre salut. Alléluia. 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 Vous allez voir que tout ce témoignage va faire quoi? Et le Seigneur, parce qu'il louait Dieu, et ils ont trouvé grâce auprès de tout le peuple. C'est-à-dire, par leur témoignage, ils ont trouvé grâce auprès du peuple. Leur témoignage a convaincu le peuple. Les gens avaient envie de les côtoyer. Même là où on les haïssait, les gens ont commencé à les accepter. Les gens attendent ton témoignage pour te faire confiance. Après ce programme, après ce dimanche, va trouver grâce auprès de ta hiérarchie. Va trouver grâce dans ta famille. Va trouver grâce auprès de ton mari. Va trouver grâce auprès de ton conjoint. Va trouver grâce là où on t'avait fermé les portes. Va trouver grâce, alléluia. C'est ce témoignage, bien-aimé, d'une vie transformée qui va faire que tu vas trouver grâce là où on t'avait haï, alléluia. Ils ont trouvé grâce auprès du peuple. Et la Bible dit, c'est ainsi que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. La croissance. La croissance vient, bien-aimé, vient, comment? De ce témoignage des vies transformées. Les gens veulent nous ressembler et ils nous suivent. Et c'était ça la base d'un réveil authentique. Voilà le message que Dieu m'a donné pour l'église ce dimanche. Je veux que tu ressembles, acclame le Seigneur. Quand tu acclames, le Saint-Esprit le fait en toi. Tu peux te lever, acclame le Seigneur. Tu peux te lever, acclame le Seigneur. Quand tu acclames, tu reçois ce témoignage. Quand tu acclames, tu reçois cette vie. Quand tu acclames, tu reçois cette flamme. Quand tu acclames, tout change en toi. Quand tu acclames, tu te réconcilies avec l'enseignement. Quand tu acclames, la communion fraternelle est possible. Quand tu acclames, la fraction des pains, l'unité. Quand tu acclames, la vie de prière revient. La vie de prière se ravive. Quand tu acclames, il y a la crainte de Dieu. Il y a les signes, les prodiges et les miracles à l'église. Alléluia! Quand tu acclames, la prospérité vient vers toi. Il y a l'abondance dans ta vie. Oui, il y a la faveur sur toi. Et il y a la croissance. Tu vas croître dans tes activités. Tu vas croître dans ta foi. Tu vas croître dans ta relation avec Dieu. Tu vas croître dans la connaissance de Dieu. Tu vas croître dans la consécration. Tu vas croître dans la crainte de Dieu. Tu vas croître dans ton ministère. Tu vas croître dans l'exercice des dons. Tu ne seras plus jamais la même personne. Le témoignage d'une vie transformée. Tout le monde saura que tu n'as plus la même personne. Voilà le peuple que le Seigneur demande. Voilà le peuple que nous devons être. Que ton témoignage évangélise au niveau de ta famille. Que ton témoignage évangélise ton quartier. Et c'est avec ce témoignage que quand tu as conquis Jérusalem, tu passeras en Samarie. Et quand tu as fini la Samarie, tu passeras en Judée. Et quand tu finiras avec Judée, tu vas gagner les extrémités de la terre. Parce que là où tu vas partir, les gens vont téléphoner à Jérusalem. Nous avons reçu quelqu'un ici. Dites-nous un peu. On dira non, lui, il a un témoignage authentique. Que ton témoignage parle pour toi. Que ton témoignage parle pour toi. Recevez un témoignage d'une vie transformée au nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu. Que nous soyons une église qui craint Dieu. Une église qui aime l'enseignement. Une église là où il y a la communion fraternelle. Où il y a le partage, la solidarité. Une église qui prie. Une église qui craint Dieu. Une église où il y a le fruit de l'esprit.
en plus des dons. Une église où les gens entrent avec des problèmes et sortent avec les solutions. Une église où la présence de Dieu est en permanence. Une église où nous maintenons, nous nous efforçons à maintenir le lien de la paix. Là où il y a l'amour au lieu de la haine. Oh mon Dieu. Alléluia. Oh, grâce à Dieu. Alléluia. Lève ta main. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.